1, go. Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue aujourd'hui dans une grosse vidéo. J'ai sélectionné des babouins, vous avez vu sur Instagram. Il n'y a pas longtemps, j'ai sélectionné des abonnés pour qu'ils participent à un concours. Donc le concours, vous ne rêvez pas, c'est bien dans le titre. 60 secondes pour dévaliser un magasin de jeux vidéo. On est actuellement dans un magasin de jeux vidéo qui fait goodies. Donc le magasin, c'est Shop4Geek, qui se trouve à Saint-Nicolas. Donc si jamais vous voulez participer à l'épisode 2, donc je ferai un épisode 2, allez, 15 000 likes, enfin un épisode 2. Donc du coup, vous mettez votre prénom et votre ville dans les commentaires et je sélectionnerai 10 personnes, 5 personnes, entre 5 et 10 personnes pour participer à l'épisode 2. Donc c'est dans les commentaires. 60 secondes pour dévaliser un magasin. Donc cette vidéo est sponsorisée les gars par Zula, donc les babouins, du coup les abonnés que j'ai sélectionnés vont s'affronter sur le jeu Zula. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un FPS gratuit qui est téléchargeable. Donc vous avez le lien en description et vous avez un code gratuit avec mon coupon dans lequel vous avez des lots, etc. Donc le coupon se trouve dans la description, n'hésitez pas à télécharger le jeu Zula. Donc là ils vont s'affronter sur le mode match à mort par équipe. Ils auront du coup 3 vies chacun pour faire un maximum de kills et celui qui fera le plus de kills dévalisera le magasin en 60 secondes. Donc voilà, merci encore une fois Zula, le jeu se trouve dans la description. Après vous avez plein d'autres modes, hein. C'est un FPS, hein. C'est-à-dire vous avez du mode sabotage, etc. Vous avez plein de modes. Eux ils vont s'affronter sur le mode match amateur équipe et ils ouvriront aussi des petits decks pour voir s'ils ont de la chance ou pas. En tout cas voilà. Pour que ce soit mieux équilibré, les abonnés vont s'affronter du coup avec des armes basiques. Après comme vous allez voir, vous pouvez améliorer vos armes comme vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter des camouflages, des skins en or, des accessoires, des canons, etc. Et voilà, donc là ils vont s'affronter avec des armes basiques pour que ce soit plus basique pour eux et que comme ça tout le monde part sur une part d'égalité. C'est parti, on se retrouve du coup pour la vidéo et moi je vous dis bonne vidéo. Donc voilà, c'est parti, on est avec les babouins, donc tu peux les montrer. Voilà, il y a à peu près 8 participants, donc ils vont se présenter chacun leur tour et on va du coup leur demander qu'est-ce qu'ils veulent dans ce magasin, quelle est leur priorité avec 60 secondes. Donc 60 secondes, quelle est leur priorité. Donc on est avec le premier. Comment tu t'appelles? Bonjour, alors je m'appelle Florian, j'ai 23 ans. Je suis Christophe, 19 ans. Bonjour, bah, moi c'est Gwendolyn, j'ai 18 ans. Ensuite on est avec Tom. Il fait rigoler. Ah ouais. Donc moi je m'appelle Anthony, j'ai 21 ans. T'as 23 ou 21? 21. Il a 21. Donc du coup là on est avec la seule fille. Tu t'appelles comment? Noël. 18 ans. Elle a 18 ans. Salut. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va toi? Ça va, ah moi c'est Nicolas, j'ai 20 ans. Pourquoi tu voulais rigoler? T'as 20 ans? Ouais. Donc ensuite, le dernier participant qui s'appelle Johan. 2 ans. T'as 60 secondes pour dévaliser le magasin, c'est quoi ta priorité? Bah alors ma priorité, ça serait la PS4, GTA 5, Red Dead Redemption. Redemption, excuse-moi, 2. Et après, je prendrai en fonction du temps qui me reste. Que du Rockstar, quoi. Voilà, pour l'instant. Que du Rockstar, ok. Je pense prendre la PS4 aussi. PS4. Après, n'oubliez pas que vous avez des goodies aussi. Ouais. Vous avez d'autres jeux. Voilà, c'est comme vous voulez. Ouais, PS4 en premier. Ouais, Black Ops 4. Et ouais. Ce sera la PS4 et Red Dead. PS4 aussi. Toi, t'es chaud, toi, tu veux que la PS4. PS4, Red Dead Redemption. Puis après, bon, on verra ce qu'il y a dans le magasin. Donc, moi, ma priorité, ce serait la PS4 avec Red Dead. Ah oui, tout le monde qui veut la PS4. Voilà. Tout le monde veut la PS4. Okay. La PS4. Il y a tout le monde qui veut la PS4. Toi aussi, t'es PS4. Ok, PS4. Ok. Ah, moi, la priorité, ce serait la PS4 avec le. Une fois que t'as pris la PS4, après, tu ouais. Okay. Donc, je rappelle, les gars, que les abonnés vont s'affronter sur le jeu Zula. Donc, je montre le jeu. Voilà, c'est ce jeu qui se trouve en description, n'oubliez pas de le télécharger avec mon code, vous avez du coup un petit coupon, vous avez des cadeaux, etc. Donc voilà, c'est Zula, donc là ils vont s'affronter dans le mode match à mort par équipe. Après on a plein d'autres modes, je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo Zula, donc il y a le mode sabotage, où le but c'est d'escorter un véhicule, etc. Là ils vont s'affronter dans le match à mort par équipe, ils auront 3 vies chacun et ils devront faire un maximum de kills en 3 vies. Celui qui fera le plus de kills en 3 vies dévalise le magasin en 60 secondes. Vous êtes chaud les gars? Ouais. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Donc j'espère que vous allez killer parce que je rappelle c'est celui qui a le plus de kills qui dévalise le magasin et c'est parti. Ok, donc c'est parti, on est avec le premier, donc je rappelle-moi ton nom. Florian, parce que bon, je ne sais plus trop des noms. Donc on est avec Florian. Donc Florian, déjà je vais faire ouvrir un petit deck. Ok. Et on va voir si t'as de la chance. Donc déjà, lequel tu veux ouvrir? Franchement, je préfère la couleur bleue ou. La bleue? Ouais, violet, bleu. Genre, on va voir si t'as de la chance. Attention, utiliser. Ouh, déjà t'as un légendaire. Ouh, pas mal. Pas mal. Tu veux en ouvrir un deuxième ou c'est bon? Bon, je n'en sais rien, donc comme tu veux. Allez, c'est parti. Attention.
Ouh, pas mal. Franchement, t'as débloqué un skin or sur l'accueil bar, c'est énorme. T'as débloqué un sticker, c'est pas mal de choses. Donc ça, c'est pour, en gros, toi, améliorer tes armes, les customs, que ça soit un peu plus okay. Léger, en fait. Ok, donc c'est parti, on va lancer la game. Donc c'est parti, je rappelle que tu as 3 vies. Ok. Donc sois discret. Essaye de faire un max, pas trop de mouvement. On va voir s'il est chaud, les gars. Il a 3 vies pour faire un maximum de kills. Okay. Joue la discrétion, peut-être. Joue la discrétion. Ok, ça paye pas souvent. Il y en a. Ouh franchement... J'ai cru qu'il allait le faire. Il te reste plus de 2 vies. Ok. Ah ouais. J'ai même pas vu. Il y a du snipe. Toi, t'as pas de chance. J'ai pas vu passer. Toi, t'as pas de chance. Franchement, j'ai toujours pas vu passer. Donc. Bon, bah. Dommage. Zéro kill. Zéro kill, mais bon. Il a pas eu de chance. Il a pas eu de chance. Il a pas eu de chance, malheureusement. Donc c'est parti, on est avec le deuxième participant. Du coup, j'ai préparé ouvrir un deck pour voir si t'as plus de chance que ton pote ou pas. Donc, quelle couleur t'attire le plus là? Le jaune. Le jaune? Ok, on va t'ouvrir le jaune. Ouais, c'est moi aussi, j'aime bien le jaune. Attention, on va voir ce que tu vas gagner. Oh, petit porte-clés Ferrari, c'est plutôt pas mal. T'aimes bien quoi là? Le skin or. Le skin or, ouais, c'est pas mal aussi. J'avoue que c'est pas mal. Ok. Et eh bien, du coup, tu repars avec un skin or. Donc, si jamais t'as l'arme, tu pourras le mettre dessus. Donc, prépare-toi parce que là, je rappelle que tu as 3 vies. On recharge avec R, c'est ça? Le dernier fait 0 kill. Il te suffit juste de faire 1 kill et déjà t'es sûr d'être premier. Après, n'oublie pas que t'as des concurrents derrière. Pour l'instant. Il la joue discret, les gars. Il la joue discret. Tout discret. Ouh, attention, le premier kill! Il est chaud, premier kill. Et du coup, première position. Pour l'instant. Un kill, il est où? Ça y est, il est parti du magasin, il a le seum. Ouh, deuxième kill. Attention, deuxième kill, peut-être là. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il y avait 2 personnes devant toi. Oh là 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 là, il aurait pu faire 4 kills. Ok, donc 2 kills et plus qu'une vie. Déjà, t'as trouvé un peu le spot où est-ce qu'ils étaient, les gens. Ouais. Fais attention, il ne reste plus qu'une vie. Joue la discret. Bon, j'aurais conseillé de jouer discrètement. Ouh, une bombe qui explose juste à côté. Attention. Ouh là là, il y a des gros qui se jettent un peu partout. Et malheureusement, il n'a plus de vie. Et nous sommes à 2 kills, donc le record c'est 2 kills. On est avec le troisième participant. Qui s'appelle Anthony, voilà, je me rappelle de lui. Anthony, donc Anthony, déjà on va ouvrir un petit deck. Donc je rappelle les decks en gros pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est vous ouvrez un deck, vous avez pas mal de choses dedans pour améliorer vos armes. Vous débloquez pas mal de skins, des porte-clés, etc. Pour ça, c'est un peu plus stylé. Et on va voir, écoute, j'ai bien envie d'ouvrir. T'as envie d'ouvrir laquelle? Le bleu. Le bleu? Ouais. Comme ton pote, ok, allez, le bleu. Attention. Ouais, je préfère quand même le couteau. Le couteau il est pas mal, c'est vrai que le couteau est pas mal. Bon après tu débloques tout, hein, mais en soi c'est vrai que le couteau est pas mal. Bon tu sais quoi, j'ai envie d'ouvrir celui-là. Ouais. Allez, j'ouvre celui-là. Je sais pas pourquoi il m'attire le rouge. Oh, pas mal aussi, pas mal. On a un petit porte-clés banane sur une arme. Donc on va juste voir, je vais montrer au babouin, donc du coup ceux qui nous regardent comment ça se passe. Une fois que vous avez débloqué vos petits skins dans le deck, vous êtes dans personnalisé et là vous avez tous les trucs que vous avez débloqués. Tu veux mettre quoi dessus? Silencieux ou le petit canon? Ouais, le petit canon, c'est mieux pour la précision. Okay. Je te mets le canon. Après, voilà, comme je vous ai dit, les gars, vous avez vraiment les accessoires, etc. Les décos. On n'a rien débloqué. Du coup, voilà, vous améliorez tout en fonction de ce que vous avez dans vos decks et en fonction de l'arme. Donc là, nous, on a que ça sur l'arme là. Et franchement, c'est pas mal. Hein. On a pas mal de choses. Déjà, elle est belle. Elle est belle, ouais. Okay. Donc c'est parti. Ok, donc là, on est avec le troisième. Il est sur la map Istanbul. Istanbul, ça t'a... Je sens que tu vas faire plus de 2 kills. Ah, bah là, ouais. Je te sens bien. Donc je rappelle 3 kills. C'est parti. La partie commence. Oh non. Ok, il a plus que 2 vies, les gars. Il a plus que 2 vies. Oula, allez, allez, allez. Là, je joue. Vas-y, cache-toi, t'inquiète pas.
Oh, premier kill, attention. Il y en a un au-dessus, peut-être. Qu'est-ce qu'il a vu? Peut-être. Anthony. Je campe. Anthony, plutôt chaud. Anthony joue la campe, il a raison. Oh, l'ennemi qui vient de derrière, malheureusement. Il ne te reste plus qu'une vie, tu as un kill, tu peux faire ex aequo avec ton pote et vous allez repartir. Sachant que si vous êtes ex aequo. Ok, deux kills. Tranquille. Oh, il est chaud. Anthony est chaud. Il est sur 3 kills actuellement. Anthony, qui va peut-être dévaliser Magellan. Il te reste qu'une vie, Anthony. Oh non. Et 3 kills, le record à battre. 3 kills, Anthony. Première position, j'ai tout donné. GG à toi, Anthony 3 kills, est-ce qu'il va se faire battre encore 5 participants? On est avec la quatrième, du coup c'est une fille, quatrième participante. Et dis-moi, t'as envie d'ouvrir quoi? Jaune aussi? Ok, c'est parti, jaune. Il faut qu'on débloque quelque chose sur la M400 parce qu'ils utilisent tous leurs armes. Après vous avez plein d'autres armes. On a rien débloqué sur l'arme. On teste encore une fois. On a un truc légendaire hein. Je vais voir si j'ai le couteau. Donc effectivement j'ai mal le couteau là qu'on va utiliser. Et du coup vu qu'on a débloqué un truc dessus, on va juste personnaliser le couteau. Voilà. Donc grâce à toi on a le petit couteau en or. Voilà, on l'utilise. Ça fait plaisir. Donc on a le petit couteau en or si jamais tu veux l'utiliser sur l'arme. Donc c'est parti, je te lance la game. Ok, du coup c'est parti. Attention, est-ce qu'elle va faire les gars des kills? C'est ce que nous allons voir actuellement. Donc je rappelle qu'elle a 3 vies et le record à battre est 3 kills. Ouh, premier kill. Ouh. Attention, parce que la map là, parce que je les ai fait entraîner, ils se sont entraînés comme un petit peu avant et la map là du coup elle la connaît un petit peu. Essaye de jouer discrètement. Attention. Ah, il a campé. Et malheureusement, un kill. Bon, c'est déjà pas mal. Déjà, il y en a qui ont fait 0, toi t'as fait 1. Du coup, au prochain, désolé, mais. Ok, du coup, on est avec le 5ème. Record à battre, c'est combien? 3 kills. Je le sens chaud aussi, parce que lui, quand il s'entraînait tout à l'heure, je le sentais aussi chaud. Donc c'est parti, déjà, on va ouvrir un petit deck. Tu veux ouvrir lequel? Le rouge. Celui-là? Ouh, on a débloqué un truc sur la K47, ce qui est plutôt pas mal. C'est quoi, moi, j'ai envie d'ouvrir celui-là, d'ailleurs, on l'a pas encore ouvert. Attention, on a deux trucs légendaires. On a débloqué un skin, du coup, sur le couteau de Barbier. Et on a débloqué un truc sur la MP9 aussi. Ok, du coup, le couteau, on l'avait. On a débloqué un truc sur le couteau, donc c'est parti, on va juste le personnaliser. Voilà, on a débloqué ce petit skin. Voilà, on utilise, c'est tout. On a débloqué, on l'utilise. Voilà, ça fait plaisir. Donc, du coup, maintenant. Donc, du coup, voilà, on va juste l'utiliser dans notre classe. Hop. Si jamais t'es coiffeur, bah, tu peux tuer des gens avec le couteau. Ok, donc c'est parti, les gars. 3 vies, je rappelle. C'est là où ton pote a fait le record. Hein. Donc. Attention, il est chaud. Il y a du monde. Ça arrive par la droite, il l'a pas vu. Je sais que ça va arriver par là, fais attention. Ok, tu l'as vu. Au-dessus. Reste une grue, fais gaffe. Ouh, c'est chaud. Allez, je te sens chaud, chanceux. Tu peux faire 3 kills, peut-être. Ok, premier kill. Il valide son premier kill, les gars, attention. Il a plus que 2 vies. Oh là là, il arrive par derrière. Toujours par derrière, t'as pas de chance. Franchement, t'as pas de chance. Il y en a un, et c'est fini. Il est dégoûté, il rage. Il est dégoûté, les gars. Gilet jaune. Donc c'est parti, on est avec Tom. Donc Tom, 3 kills. Tu te sens chaud? Ça va être dur. Tu veux ouvrir lequel? Allez, je suis en or à droite là. Ouh, toi qui aimes bien le slide, parce que tout à l'heure il m'a dit qu'il aime bien ça, t'as débloqué un skin en or sur le slide. Oui. C'est pas mal. Donc toi tu vas jouer quelle classe, dis-moi. Fais-moi une au snipe. Je te fais une classe au snipe, okay. Yes. Hop, utiliser. Ah bah ça va, on a débloqué un petit porte-clé. Deadpool, tu veux la balle. Tu prépares quoi, Deadpool? Ouais, Deadpool. Tu vas jouer snipe, donc c'est parti les gars. La game est commencée, il a 3 vies, il veut jouer sniper. Tu prends un gros risque, hein. Tu prends un très très gros risque, honnêtement, moi je jouerai pas du tout sniper si je participerai à la vidéo. En tout cas c'est comme tu veux. Après n'oublie pas que tu peux changer avec B. En plus sur la map là c'est chaud, hein. c'est pas trop une map de sniper. Hein. Ah ouais, c'est la map là. Ouh, je te conseille de changer d'arme.
peux prendre celle-là aussi qui est pas mal. Là. Il a changé de place. Cette arme est pas mal. Honnêtement, elle est pas mal. Voilà, après, toi, durer. Ouh, il a eu un ennemi. Est-ce qu'il va réussir ou... Malheureusement, c'est pas toi qui l'as tué. Ouh, je te sens pas chaud, toi. Hein. Tom, yes. Faut y aller, Tom. N'hésite pas. Il a plus qu'une vie, 0 kill. Et malheureusement, ouais. Tom, il se fait éliminer au spawn. Et du coup, t'es déçu. Ouais. On a fait ce qu'on a pu. Il a fait ce qu'il a pu. En tout cas, merci à toi d'avoir participé. Et Tom, qui du coup repart avec un, parce qu'il a fait 0 kill en fait. Il a fait comme participant devant. Est-ce que tu me ferais pas un petit tapage de gorge? Un petit tapage. Voilà. Yes. Voilà, au moins, je peux faire ça. Ouais. Ok, c'est reparti. Le 7ème participant, Nicolas. Nicolas, tu veux ouvrir quoi comme deck? Dis-moi un peu, Nicolas. On va partir sur le rouge. Le rouge. Ouais. Personne prend le vert. Tout le monde prend le rouge. Ok, est-ce qu'on a débloqué? Ouh, on a débloqué un truc sur la Tommy Gun qu'on va aller faire tout de suite. On va aller voir ce qu'on a débloqué sur la Tommy Gun. On a débloqué le petit viseur réflexe. Donc si jamais t'as mis les viseurs, tu peux prendre la Tommy Gun. Le cœur, allez. Je te mets un cœur parce que je t'aime. Ok, donc c'est parti. Est-ce que t'es chaud? Ouais. Allez, est-ce qu'il va essayer? Faut que tu essaies de battre 3 kills. Il s'est fait sniper le pauvre. T'as plus que 2 vies. Fais attention, il y a des gens à droite. Fais gaffe, il y a des gens à droite. N'essaye pas trop d'y aller. Cache-toi, je te conseille de te cacher. Mais qu'est-ce que tu me fais? Il y a un sniper, il y va. Attention. Il a joué campagne. Il sait qu'il a qu'une vie. Il a joué campagne, malheureusement. Il se fait sniper. Ah, c'est pas grave. T'es tombé sur une équipe de snipers. T'as pas de chance. Ils sont vraiment plutôt chauds, snipers. Et du coup, merci à toi d'avoir participé. Malheureusement, 0 kill. Le dernier participant, Johan, est-ce qu'il va battre le record de 3 kills avec 3 vies seulement? C'est parti, Johan. On ouvre un deck déjà. Dis-moi, tu veux ouvrir quelle couleur? Le bleu. Allez, le bleu, c'est parti. Le bleu, est-ce qu'il a de la chance? Attention, Johan qui déjà quand même un petit skin plutôt pas mal, plutôt beau. Donc, Johan, je te lance la game. Est-ce que tu te sens chaud? Non. Je précise, non. Il se sent pas chaud du tout. Tu te sens pas chaud à battre 3 kills? Non. Allez. On va essayer. Faut que t'essayes. 3 kills. Je rappelle que tu dévalises le magasin. Okay. Je rappelle, 3 vies. 3 kills. Faut qu'il batte le record de 3 kills. Attention à des gens ici. Anthony, qui s'est fait sauver par son coéquipier. Anthony qui a failli mourir. C'est Johan. Johan qui a failli mourir. Johan, je te conseille de te cacher. Attention, Johan. C'est très. Pour se baisser, c'est ici. Oh, premier kill pour Johan, attention. Allez, Johan. Johan qui se fait snipe. 3 kills. Il a 1 kill. Plus que 2, t'as 2 vies. Ouh, 2 kills pour Johan. Attention, ce qu'il va faire le 3ème kill. Peut-être, Johan. Oh là, il y en a qui se fera dégueu. Je te conseille de reculer, effectivement. Johan, recule, fais gaffe, t'as plus que 1% de PV, je te conseille de rejoindre tes collègues, je sais pas, fais un truc. Johan. Ouh, Johan, ton pote a validé ton kill, donc tu as 2,5 kills. Attention, il te reste plus que 0,5 kills pour battre Anthony. Allez, Johan. Ah, il s'est fait dégomme. T'as qu'une vie, Johan. Johan, t'as qu'une vie. Il me reste quoi à faire? 1 kill, même pas, 0,5 kill, c'est-à-dire t'as juste une assistance, c'est bon. Oh, Johan! Qui fait le kill et qui a 3,5, attention! Oh, il est chaud! Johan! Oh là, il est sur 4 kills actuellement, oh là, on a le grand vainqueur de cette vidéo qui va dévaliser le magasin. Attention, est-ce qu'il va quand même sauver l'honneur? Oh, il est chaud, il a 4,5 kills, parce que je rappelle que l'assistance compte pour 0,5, je ne l'ai pas dit en vidéo tout à l'heure. Attention, Johan qui part sur 5 kills, il est beaucoup trop chaud. Il est beaucoup trop chaud, faut l'arrêter. Je pense qu'il faut l'arrêter, les gars. Oh là. Ouh, 5 derrière 5 kills. Bien joué à toi, Johan. Bien joué, on applaudit. Johan qui va dévaliser le magasin, donc c'est parti. On se retrouve tout de suite pour la dévalisation du magasin. Donc c'est parti, on est avec Johan. Johan, est-ce que t'es chaud pour dévaliser le magasin? Ouais. Donc je rappelle juste un truc, je vous montre juste vite fait. Donc ici, on a le côté jeux vidéo. Toi, tu m'as dit que tu étais intéressé par la PS4 et toi, t'es plus chaud. Pourquoi là? Tu vas aller côté plus jeux vidéo en premier ou après? Ouais, plus jeux vidéo. Plus jeux vidéo, toi, t'as envie de jeux vidéo. Ok. Est-ce que t'es prêt? C'est parti. Donc c'est parti, attention, 60 secondes, je vais lancer le chrono pour dévaliser le magasin.
Je te conseille de faire vite parce que on dirait pas, mais 60 secondes ça va très très vite, c'est illimité. Hein. Ça va très très vite. Donc c'est parti, 3, 2, 1, go! Avec Pokémon, le nouveau Pokémon. Je te conseille de prendre des goodies en haut. Des goodies en haut. Attention. Stop. Bon allez, je te l'autorise à la prendre. Et voilà, 60 secondes écoulées. Waouh. Autant dire que le panier est pas mal. Hein. Donc vas-y, montre-nous ce que t'as pris là. Qu'on regarde un peu. C'est Naruto ça, non? Non, c'est One Piece. One Piece, ouais, bon, je connais pas du tout. Ok, donc on est sur un truc One Piece. Alors, ensuite, ah ouais, la nouvelle Pokémon Go. Le nouveau Pokémon, Let's Go. Et du coup, avec la Switch, ah ouais, franchement, elle est magnifique. Ok, ensuite. J'ai pris Mario. Alors, Mario, celui-là, je l'ai aussi. Celui-là, il est vraiment pas mal, tu vas kiffer. On a Mario Party. FIFA 19 sur Switch. Ah oui, une figurine Deadpool. L'édition collector de Spider-Man, ça tu le voulais en plus, tu m'as dit au début de vous que ouais. Tu la voulais celle-là. Elle est magnifique, je l'ai aussi, elle est juste magnifique. Okay, Assassin's Creed Odyssey. Battlefield 5, le tout nouveau qui vient de sortir. Call of Duty Black Ops 4. Ouh, Red Dead Redemption, édition ultime que j'ai aussi, c'est... Franchement tu vas kiffer aussi, c'est pas mal. Et FIFA 19. Ok, donc tu peux remettre tout ça sur le caddie, vas-y, tu peux remettre ça dans le caddie. On va juste faire la photo, etc. Et puis ensuite, on se retrouve après. On va passer à la caisse, on va passer aux choses sérieuses. Ma carte bancaire va avoir mal. Je pense qu'elle va avoir très mal. Il y a pas mal de choses. Il y a combien de trucs à peu près là? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 articles. 13 articles. Ah ouais. Okay, c'est... On va déjà commencer, c'est par les jeux. Il faut que j'enlève déjà plus que 1. Hein, on n'en vend pas tous les jours autant. Du coup, il y a Pokémon Go dedans. C'est inclus dedans. Let's go là. Ouais, alors c'est dedans, il y a ta console en édition limitée, vous avez le jeu et la Pokéball Plus. Donc du coup en fait la Pokéball c'est une manette supplémentaire et quand tu dois lancer genre la Pokéball en jeu, tu lances ça en fait. Okay. Oh, il y a une dragonne hein, pour éviter les impacts au mur. Waouh. Ça fait plaisir. Hein. Ça aussi c'est pas mal du tout. Hein. Franchement ouais, c'est bon choix. Je voulais prendre le gros là-bas mais il est un peu lourd. Le gros là. Un peu lourd, effectivement. Édition limitée. Que j'ai déjà pris. Effectivement. Elle est belle, hein. Oh là là. Elle est vraiment très belle. Ça va faire un euro à la maison. Le dernier article, la Nintendo Switch. Tac. Oh bah attends, on va tout passer, hein. Ah. On a combien là? Là on est à 864,55. 864, on a même pas fini encore les gars. On a encore la console. Ah ouais, on a encore la PS4. Voilà, ça y est. Tiens, si tu veux. 1624€. Ah ouais. Ok, et bah écoutez, paiement par carte s'il vous plaît. Ça fait combien là? 1624,33. Hop, tac. C'est en cours, retour socle si vous. Et merci, j'espère que t'es content. Ah bah je te remercie en tout cas. Et puis voilà, j'espère que ça te fait plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Et bah moi aussi. Et puis un dernier mot, t'as un petit dédicace peut-être? Eh ben non, je te remercie. Je sais pas quoi dire en fait. Merci. Hein. T'es content de tes achats? Bah ouais, puis bah tout ce que je peux dire c'est merci à toi, puis bah merci pour cette vidéo. Voilà, merci à vous. 1624€, ça fait mal. Ça fait très mal, mais ça me fait plaisir pour le babouin.